Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir personnaliser Poiskai complètement, donc pouvoir colorer entièrement le Poiskai membre par membre. Alors avant de vous expliquer comment pouvoir le colorer, je vais vous expliquer quelque chose que vous devez savoir. C'est tout simplement que vous allez devoir récupérer tous les bocaux de couleurs pour pouvoir personnaliser votre Poiskai comme vous le désirez. Alors si vous ne savez pas où se trouvent les bocaux de couleurs, je vous mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous montre tous les emplacements des bocaux de couleurs. Alors bien entendu, il vous faudra aussi peut-être, si jamais vous désirez avoir directement une customisation personnalisée par rapport au personnage que vous voyez à l'écran, il vous faudra des encres de arc-en-ciel que vous pouvez obtenir dans des coffres Fortnite. Donc voilà, vous ouvrez des coffres et vous obtenez des encres arc-en-ciel. Donc voilà, ça c'était pour les petites informations. Et dernière petite information, dans quelques jours, nous aurons, dans 14 jours, nous aurons d'autres personnalisations du skin Poiskai. Alors maintenant, pour personnaliser votre skin entièrement, vous allez aller dans votre casier. Ensuite, vous allez sur votre skin Poiskai. Et là, vous allez appuyer sur carré pour modifier le style. Donc là, c'est tous les styles que vous allez pouvoir débloquer avec vos encres de couleurs arc-en-ciel. Et là, avec les bocaux de couleurs, ce que vous pouvez faire, c'est modifier par exemple la tête. Regardez, je vais mettre, une tête rouge. Ensuite, je vais pouvoir personnaliser son accessoire de dos. Donc on va le mettre en jaune. C'est sa ceinture, excusez-moi. Donc ça c'est la tête, ça c'est des couleurs d'accessoires, donc c'est ses accessoires qu'il a à sa ceinture. Ensuite ça c'est son bonnet, donc son couvre-chef. On va le mettre en vert, voilà. Ici nous pouvons personnaliser les chaussures, donc on va les mettre, en bleu. Voilà, ça va ressembler à rien du tout, mais bon bref. Là on peut personnaliser les gants, donc on va les mettre en orange. Non, on va les mettre en rose. Nous allons pouvoir aussi personnaliser le bras, qu'on va mettre en brun. Nous allons personnaliser la jambe, les jambes. On va les mettre on va prendre une couleur qu'on n'a pas encore utilisée. Le vert, on a déjà utilisé. Ce vert-là, on ne l'a pas encore utilisé. Les chaussettes, on va les mettre en mauve, comme ça, non, violet, comme ça. Ouais, comme ça, mauve. Et c'est quoi ça? C'est l'écharpe. On va pouvoir mettre l'écharpe en bleu. Donc voilà, vous allez pouvoir personnaliser entièrement votre skin à votre guise. Donc j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.